8 novembre 2021. Nous sommes dans la vallée du Haut-Verdon, non loin de Colmar-les-Alpes. Accompagné de mon ami Flo et de mon Yuskinao, nous allons passer 3 jours dans ces montagnes, à 2000 mètres d'altitude. L'hiver approche à grands pas. La cabane de Chabot sera le refuge idéal pour profiter du séjour sans avoir trop froid. Les Alpes de Haute-Provence regorgent de coins sauvages et cachés. J'affectionne tout particulièrement celui-ci, le vallon de chasse. Nous sommes en novembre, les journées sont courtes et les températures attendues bien en dessous de 0 degré. En parlant du hameau de chasse, le voici. 4 maisons qui se courent après, au milieu de nulle part. La tranquillité et la solitude la plus totale. C'est ce que je recherche en ce moment. J'espère sincèrement que ces images vous donneront envie de faire pareil que moi. Tout en respectant bien évidemment la nature et tout ce qu'elle a à nous offrir. Bonjour, 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 bonjour. Pour les plus anciens, l'année dernière, je suis déjà venu à la cabane de Chabot avec l'équipe Yaya, Yves et Pierrot. Cette année, je suis de retour avec Flo pour passer 3 jours un peu différents d'habitude, les randonnées, etc. Un peu dans le même topo que la vidéo 5 jours en autonomie dans une cabane avec Tristan. On va faire pareil avec Flo cette fois-ci, mais 3 jours en sachant qu'il y a Tristan qui arrive demain. S'il arrive. S'il arrive, ouais. Il y a Nao aussi qui m'accompagne, le petit bébé. On va aller un peu naviguer à droite à gauche, voir un peu, faire un peu de la découverte, de l'apprentissage de la fabrication de bois. Ouais. Plein d'idées. Tu as mené quelques outils pour un peu travailler le bois. Un peu. Ouais. Une fois de plus, c'est de vous montrer qu'avec pas grand chose et en faisant quelques heures de marche, vous pouvez vous retrouver dans des endroits sauvages, dans la montagne. Il n'y a pas de réseau, loin de tout. C'est ça. C'est peut-être pas plus mal au final, des fois, de faire des petites coupures. Donc c'est un petit peu le but. Passer du bon temps, de s'aérer l'esprit, de profiter avec le petit bébé aussi qui est là, le petit Nao. On va embellir la cabane. S'il y a des petits trucs à réparer, on va les réparer. On va bien manger aussi. Vous allez voir, il y a une bonne recette demain soir. On a bien résumé ? On a de quoi faire déjà. L'intro est bon, l'intro était déjà beaucoup trop long. C'est parti, passons donc au vif de la vidéo. En avant. Que l'hiver approche. Oui, on est équipé, doudoune, polaire, bonnet, etc. Les premières neiges sont tombées, donc voilà, ça s'est clairement rafraîchi depuis l'aventure avec Tristan. Du coup, la première chose à faire, on va nettoyer le poêle. Ensuite, on va allumer le feu, comme ça, ça fait un peu chauffer les murs. Ce soir au menu, déjà, il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare. On va profiter, j'espère que je vais vous permettre donc de vous évader un petit peu pendant ces quelques minutes avec nous et vous donner surtout envie de faire pareil, de vous lancer, de partir un petit peu à l'aventure, loin de tout, pour quelques petits moments de sérénité, pour faire le point, pour se détendre, pour passer un bon moment. Comment vous ne voulez pas passer un bon moment quand vous avez ça là? Comment? Oh, bisous pas. Comment vous ne voulez pas passer un bon moment? Le plus bel être qui existe, il est là, l'artiste. Trop beau.
juste là, on a donc l'eau qui sort, l'eau de source qui sort là. Parfait. Pour tout le séjour, on est autonome. Ça, c'est cool. Au fond, là-bas derrière, il y a un ruisseau aussi. Donc, en eau, on est ultra large. Je pense qu'on va profiter de cette dernière lueur, hein, parce que le soleil n'est plus là, déjà, pour se boire un petit verre et manger une petite cacahuète pour voilà, fêter notre arrivée à la cabane de Chabot. Et après, on va passer au plat, hein, parce que j'ai grand faim. Quoi ? J'aurais dû faire berger. Pourquoi ? Tu peux y vivre ici. Mais... Franchement, tu me mets ici à l'année, même avec des brebis, c'est pas grave. Bien, hein. Ici. Et toi, Nao, qu'est-ce que t'en penses ? Tu passes ta vie ici, toi ? À l'année. Tu veux me brûler une pelle dès bon matin? Tu t'es lâché le sguel il y a 2 minutes. Je crois qu'il est important de revenir aux fondamentaux de temps en temps. Surtout en ce moment. Regoûter à toutes ces choses simples de la vie, le temps de quelques jours même. Mais y regoûter quand même. Se rendre compte qu'en fait, rien n'est très compliqué quand on vit simplement. C'est lors de séjours comme celui-ci qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux au final. Alors, pourquoi est-ce qu'on se la complique autant cette vie ? Il n'y a rien de plus simple à faire que vivre pourtant. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins ? Quelles sont vos motivations ? Pourquoi êtes-vous sur Terre ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Posez-vous les bonnes questions, bordel. On a payé le café à 2 promeneurs, là. Jacques et je sais plus. On va se faire une petite session bois. Niveau temps, c'est pas trop ça, dans le sens où c'est un coup apparition de soleil, renuage. Donc quand il y a du vent, ouh, ça fait frais. On va se balader, on va essayer de couper un petit peu du bois. Il y a beaucoup de bois à la cabane, donc merci peut-être au berger ou je sais pas à qui a fait le stock de bois pour tout l'hiver. Quasiment. C'est cool de penser aux autres. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on en a déjà utilisé, ben, on va aller en rechercher. Comme ça, quand on partira, le stock sera identique à celui quand on est arrivé. Et voilà, après on ira peut-être se balader à la cabane de Joyeux. On va attendre que Tristan arrive, parce que Tristan arrive aujourd'hui donc. Et voilà, tout simplement. Thank you.
On est en train de couper du bois là. Nickel, on ramène un petit peu de bois à la maison. Qui vois-je? Mais qui vois-je? Et coucou. Ça va bon? Encore vous? Ah, encore toi surtout. Vous arrêtez jamais. Ma clé elle est partout. J'ai monté une dame, monté. J'ai des quoi de 4 jusqu'au bout, je suis garé à côté de vous. Non. Mais ma clé, elle m'a emmené en Bretagne. Sympatoche, hein. La cabane. Cette cabane qu'on croise, celle-là, elle est pépite. À chauffer un peu en piste. Ouais, mais justement, moi, chauffer nickel. Ah, là, c'est. Ah, ben là, bah, elle faisait 40 degrés à mezzanine, hein. Ouais. J'arrive au bon moment, gros. C'est pour... Ouais, c'est ça, et après l'apéro. Apéro. Et après, c'est bon, c'est un copain. Copain. Alors, allez, on y va. On ramène le bois à la braque. La lame a jamais été changée. Ça sera bien mieux dehors que dedans. Bon. Non mais les gars, sérieux. Mais gros, c'est une guillotine le truc. Ah, le bon truc d'intelligent quoi. Ah, il est bon ton pain. Alors, avant d'attaquer les hostilités de l'apéro du midi, la sortie précédente, quand je suis parti avec Tristan pendant 5 jours, donc à la cabane du Pasquier, on n'a pas encapé beau temps, donc j'ai pas pu faire un test poussé de ça. Un panneau solaire de la marque Solar Brother qui m'a été envoyé par le site lyophilisé.fr. Vous commencez à savoir que je suis en partenariat avec lyophilisé.fr. Du coup, ils m'ont envoyé ce panneau solaire. Donc, comme je vous disais, c'est le Remove 16 watts de chez Solar Brother qui est une marque française. Je profite qu'il commence à faire un beau soleil là. Là, je le sens bien. Pour recharger ma petite frontale. Je fais juste un petit test comme ça avec un soleil qui n'est pas forcément très franc. Voir un peu ce que ça dit. Faudra que je vous fasse un retour là-dessus parce que ça a l'air d'être un produit de super bonne qualité. Il y a vendu avec un câble donc en sortie USB à 5 volts. On a donc un câble Lightning iPhone, USB-C et micro USB pour la petite Petzl par exemple. Je vous dirai un peu plus tard ce que j'en pense vraiment. Je voulais juste vous le présenter et vous pouvez le retrouver donc sur le site lyophilisé.fr. Profitez, vous avez 10% de réduction grâce à mon code TrekAttitude sur tout le site. Le lien il est dans la description. Faites-vous plaisir. C'est fait pour. Qu'est-ce que tu es en train de faire gros du coup là? Parce que du coup, on profite d'être à la cabane pendant 3 jours là pour essayer d'ajouter quelques petites améliorations au truc de confort, entre guillemets, hein, pour les prochains qui viendront. On a vu qu'il manquait par exemple une planche à découper ou repose-plat, ouais, un petit cendrier bien. En bois peut-être, un porte-manteau, tout ce genre de choses. On est en train de réfléchir un peu. Là, du coup, tu es en train de faire quoi? Dire que c'est pour améliorer le confort. Ben là, une petite planche à découper, parce qu'il n'y avait pas de planche à découper, hein, découper dans l'assiette et pour les couteaux, c'est pas. Donc voilà, petite planche. Super. Bon, avec les moyens du bord, hein, avec pas grand chose, on peut quand même faire des bonnes choses. On attaque le repas de ce soir, c'est 14h, mais vu qu'on va se faire un bon plat mijoté, on attaque de bonne heure. Ensuite, on ira voir la cabane de Joyeux, un peu plus loin, ça va nous faire une bonne petite sortie. Donc pour ce soir, on va se faire un petit mijoté de veau, avec concentré de tomates, un bon bouillon qui va bien, et accompagné avec ça, donc ail, carottes, oignons, pommes de terre, feuilles de laurier, sel, poivre. Waouh! Là, sur le poêle, comme dit précédemment, utilisation donc des produits que nous fournissent. Donc, waouh! Il n'y a pas de fond de veau. J'en ai dit, je l'ai dit? Tout à l'heure, tu l'as dit d'ailleurs, je crois. Non, j'ai mijoté de veau. On va utiliser le poêle à bois. Donc, on a à disposition de quoi faire la cuisine sans utiliser quoi que ce soit, d'électricité ou autre. Donc, on en profite. J'ai mis la grosse là, casserole sur le poêle. Avec l'huile d'olive dedans, et là en fait je vais incorporer le veau. Le veau est coupé en putain de merde. Ça y est, moitié là, ça y est. On va le saisir et ensuite on incorpore un petit peu les légumes avec. Et vous verrez tout ça après. Allez, on est parti, direction la cabane de Joyeux. Après avoir lancé donc le repas de ce soir, tout est en train de mijoter. Tranquillement là, la petite cheminée qui fume. Ça nous fait la petite balade de la journée, on profite de la nature, de la montagne. Et comme ça le petit Nao, lui aussi profite un maximum. Il est sage, il est gentil, il est... C'est un amour de chien. Vous remarquerez, Nao, il n'y a pas de laisse, il n'y a rien. C'est trop bon d'avoir un Yuski et de se dire, putain, waouh. Le minot comme il écoute, c'est top du top. Il n'est pas parfait. Il y a des fois où s'il voit un chameau ou quoi, c'est un peu dur de le bloquer. Mais dans 90% du temps, c'est merveilleux quoi. Il est extraordinaire.
J'arrête de faire des éloges de mon petit bébé. C'est parti, on y va. Allez, on vient d'arriver donc à la cabane de Joyeux, 1936 mètres. Sûr. Allez, on va visiter un petit peu dedans. Apparemment, c'est à peu près l'équivalent de la cabane de Chabot, là-bas. On va voir un peu ce que ça vaut. Bon, déjà la porte. Oui, fatigué après là-bas. Allez, rentre donc. Wow. Oh là là là. Et vraiment, à chaque fois, il y a des gens fatigués avec toi. Je te laisse avec ton cousin, moi. À chaque fois, je viens avec toi, il y a des gens chelous, moi. Je vous laisse. Hein. Revenez, Tristan et Nicolas. Je vous attendais. Venez ici, boire un genépi avec ma marmotte et moi. Nous payer le quoi? Le genep? Gros, il nous paye le genep. Ah, fallait le dire, les gars. Oh. Mais t'as la café que les sens, ça va un genep. Bon, j'espère qu'il est bon, son truc, moi. Allez, un bon coup. Bon, les gars, faites gaffe, parce que je crois qu'elle a fait caca, Martine, hein. Ben, ma marmotte! Y a... Ce serait beau qu'il sorte d'un coup. Il y a quoi dedans là? Il y a un oiseau, un nouveau copain, regarde. Oh copain! Il est un peu timide. Viens voir. Un peu timide. Viens, il est posé sur lui. Viens là, c'est pas là. Bim, alors pour la tête. Ah, il y a bim dans la tête. Il arrive. Le cul de. Ouais! Ciao! Freedom! Tu as ouvert la porte, ça sent bon. Ouais, j'ai pas envie de sortir. Où il est rentré alors? Je crois que c'est l'heure de passer à table. Je crois que c'est l'heure. Ça fait combien que ça mijote? 5 heures? On est sur un petit 5 heures, je pense. Ouais, on est sur un bon 5 heures de mijotage. Allez, on passe à table après une belle petite journée. On a bien profité. Messieurs? Bon appétit! Allez! Ouais, c'est très merveilleux cette histoire. Absolument marvelous. Troisième jour, bonjour! Comment ça va, gros? Fort bien. Bien dormi pour toi ta première nuit? Presque trop chaud, c'est le comble. C'est bien parce qu'on dort en fait sous le toit là. Du coup, bah, toute la chaleur elle monte le soir et on est bien, on est bien. Un peu de vent, hein? Du coup, on a fait pas mal de bois quand même hein, ce matin. Entre le petit bois, la coupe, la refonte, gros stock pour les prochains. Donc en fait, on a remis ce qu'il y avait et on en a même rajouté. Pensez bien à chaque fois, bah, refaites pareil. Vous faites un tour et vous allez chercher du bois et vous en recoupez et vous en remettez dedans. Comme ça, le prochain qui arrive et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous fais pas de morale. Juste là pour dire les choses. Du coup, Flo, là, comme on vous disait, on a essayé un petit peu de bricoler quatre petites merdouilles, mais c'est juste pour améliorer le confort, pour embellir un peu la cabane. Flo, il est en train de fabriquer un petit porte-manteau, tranquille, voilà. Il a ramené quatre outils, là. Ah oui, petit truc, il y a le livret d'or. Sur le livret d'or, j'avais oublié, mais l'année dernière, quand je suis venu avec Yaya, Yves et Pierrot, on avait mis un mot, du coup, j'ai retrouvé le mot, et du coup, j'en ai remis un. Donc, quand vous passez par ici, vous ouvrez le livret d'or. Et vous regardez pas la date. Il y en a, c'est de l'humour, mais c'est trop drôle. Il y en a, c'est vraiment des artistes incompris total. Il y en a qui comprennent rien justement à l'humour. Salut là-haut. Au revoir, hein. Ouais, barre-toi. Ciao. Allez. Au revoir, Chabot. Merci pour l'accueil, merci pour le confort de cette cabane. C'était génial. Je l'ai peut-être déjà dit, mais un grand merci à toutes les personnes qui laissent les cabanes ouvertes. Et un grand, s'il vous plaît, aux personnes qui viennent. Respectez ces lieux, bordel. Faut que ça reste ouvert, tout ça, c'est important. Ça vous permet de passer des super moments. Laissez propre, on a tout laissé propre. On a laissé un petit peu de bouffe en plus. On a bidouillé deux, trois petits trucs, porte-manteau, repose-plat. On a nettoyé le poêle, on a fait du bois, passé le balai, tout bien comme il faut. Respectons ces lieux, bordel, c'est important.
Bon, tu as passé un bon moment? Absolument, comme d'habitude. C'était bien? Bon, cet homme est complètement fou, mais vous l'aimez tout autant que moi. Oui. Bon, tu t'es régalé? Oh, franchement, une tuerie. J'espère qu'on reviendra vite d'ailleurs. Ouais. Tu t'es régalé? Ok, on vous laisse sur ça comme d'habitude. Pas trop de folie. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon petit papy Yves, basta la cuerta, hein. Merci, au revoir. S'il y a des vaillants qui sont restés jusqu'ici, s'il y a du monde qui apprécie la présence de Tristan sur la carte. Tout de suite, je vais devenir incontournable, c'est ça? Voilà, l'incontournable. Jean-Loup. Ouais, non, mais voilà, à voir les retours de cette fameuse péripétie. Faites-nous le savoir en commentaire. Allez, bye bye bye. Au revoir. Allez, la bise. Ciao, la bise. Bisous au chat. Au revoir à mardi. Bientôt, et voilà. Hein, allez, ciao.